en famille, en voiture, au bureau, où que vous soyez, pour bien démarrer votre journée, Pasteur Petit Frère vous invite à suivre Gloire Matinale. Gloire Matinale, pour un moment épanoui, en toute intimité avec le Seigneur. Abba, nous disons merci. Merci pour le privilège que nous avons pour nous réveiller, papa. Merci parce que vous prenez plaisir d'entendre nous réveiller, papa. Et que nous travaillons sur nous pour que nous fassions un comportement petit véritablement. Nous disons merci. Nous reconnaissons pour le sacrifice qu'on consenti, patience qu'on exerce envers nous, jusqu'à ce que nous arrivions à un point qu'on a accordé que nous désirons ce qui fait joie, plaisir, cœur. C'est pour chaque jour nous avons grandi, nous avons compris nos plus, nous avons grandi, nous avons découvert responsabilité par rapport au projet ça qu'on a pour nous. Pour nous apprendre qui est fond besoin sur propre tête par nous. Nous coopérer avec principe et plan pour la vie nous. Pour nous finalement venir monde à côté destiné pour nous hier. Petite à l'image papa yo qui influencer positivement et à cause ça étant influence royaume nous. Nous vous merci. Nous bénissons pour ça au nom de Jésus. Amen. Frère, avec ce moment, je dis bon Dieu merci pour le privilège que nous gagnons pour nous ensemble l'autre fois encore. Moins content particulièrement le fait que jeudi à nous pour aller dans l'autre aventure. Moins si ça t'a dérangé, je regrette même pas regrette même alors pas regrette ça t'a dérangé ou même pas regrette tant que ça t'a pris dans un seul petit chapitre nous passer plus qu'un mois. Voyez, et puis moi souhaiter continuellement ou pas ces sujets nous changer, mais c'est pas ou même qui changer pour venir dans l'autre bagaille ou du moins pour suspendre grandir et continuer à travailler sur propre tête pas. Sincèrement moi prier et moi convaincu que révélation ça sont révélation de dernière heure et que il est approprié à tout domaine et à tout chrétien quel que soit niveau qu'on t'a arrivé dans marche avec bon Dieu ou du moins dans royaume là. Pas comprendre ni comme ça c'est affaire tête un gros mal. Voyez et me prier que bon Dieu continuellement par travers Saint-Esprit a rappeler nécessité pour continuer à travailler sous tête jusqu'à ce qu'on vienne monde ça que bon Dieu dessine au pouvoir. Je dis à me voulez ouvrir un autre bon c'est pas un autre sujet véritablement. C'est plutôt Léon l'autre chapitre pour qui pourra introduire un autre sujet que nous allons gagner pour nous débattre et là encore les papas l'ont peut-être aussi systématique parce que nous avons seulement servi avec référence à pour nous aller dans quelque autre bagaille qui de base qui fondamental parce que moi estimé en tant que chrétien en tant que ambassadeur en tant que petit bon Dieu gain plus bagaille que n'ta supposé faire en plus que alléluia béni soit l'Éternel et puis danser battre main bravo ou aller gite bon porter bible ou bien n'importe jan habillé gain plus que ça pour n'ta fait avant qu'arriver convaincre monde que bon Dieu c'est bon Dieu que lire gain plus que simplement gens que nous habitué à tout temps dit monde que pour aller l'enfer et peut-être c'est vrai. Mais gain plus que ça que nous avons besoin faire avant que monde ka commencer venir gain goût pour même tout voulez venir faire partie du royaume. Moi pense gain plus que nous avons besoin faire tout parce que l'homme garde des gens monde a fait effort mon a fait gain monde qui mourir sous de l'eau. Gain monde qui passé 3 mois, 4 mois et des fois même plus que ça dans route pour marcher à pied passer plusieurs pays. Ou comprend pour qui ça? Puis elle arrive tomber dans un paradis soi-disant que relé États-Unis. Ou quand vous avez fait tout effort ça?
les ap gade dans télévision apparence que pays a bay yo fait effort ça les ap gade des fois gens quelque monde qui réussit rivé impression que bayo que tout bagay ou ta gade dans certain sens ap marché bagay yo bon et tout bagay ça tout ou du moins opportunité que estime qui gagne côté ou pral ya yo dit que si yo ka arrivé quelque soit prix yo paye pour arriver là depuis yo ka arrivé y a pas arrivé faire un bagay de la vie yo. Vous comprenez ça? C'est parce que le pays a vendu une image de tête li, et les gens qui la donnent, les gens qui ont mené une bonne impression que tout le bagaille a marché bien. Que c'est vrai, que c'est pas vrai. Mais c'est l'impression que les gens ont gagné de gens qui ont payé ça qui fait que les gens ont payé n'importe quel prix pour arriver là tout. Je dis peut-être pour que ça personne ne puisse casser la tête, tuer la tête, faire sacrifice, bataille. Pour entrer dans le royaume. Pour qui ça, je dis, c'est seulement le monde diable qui prend, les entraver, diable a envie de casser, cool, ou bien les pral mourir. Et bien, c'est là ça, la pensée, éventuellement, à faire un monde prier pour lui pour l'accepter Jésus. Pour qui ça? Est-ce que le royaume bon Dieu est seulement capable de délivrer en bas pouvoir maléfique, diabolique? Ou du moins, ouais, bon Dieu est seulement capable de prendre le reste là, l'enfin gaspiller dans tout le bagage. C'est seulement ça le vaut? Ou du moins, est-ce que ouais, on a un projet, un plan économique pour faire partie de lui-même pour prendre soin de monde qui est dans le royaume? Et si royaume dans son royaume n'est vrai, royaume supposé gagner économie par lui, gagner gens économie royaume dans fonctionner, royaume supposé gagner système agriculture par lui, royaume supposé gagner système social parler, système éducation parler, donc on ensemble de bagaille qui pourra le montrer que nous sommes royaume véritable. Donc nous pourrons regarder en Antichrist différents aspects ça yo. Nous pourrons regarder économie royaume non, nous pourrons regarder qui ça qu'a fait pour la vie moins avoir vin on l'autre gens côté que monde quand on est gardé non et puis ne serait-ce que parce qu'il y a bien aller mieux. Yo vle kounya la vin fè parti de royaume nan. Royaume bon Dieu assemblé pour jodi a, on côté que moun ki nan grand gri ki pa ka aide tête yo a kouri, wè se de kapab au moins pa passer, fin passer misère de ça, au moins pa bizan passer misère dans l'enfer tout. C'est soit pour échapper pour aller dans l'enfer, ou du moins parce que tellement nan misère ou ben Dieu va tuer yo, yo vin chèche un ti soulagement, ou du moins yo yo a peut-être attendre que sur cap au moins c'était qu'à genou il va gagner espoir qu'un l'autre côté encore du tout yo vienne bail bon Dieu tire cela mais elle pas sembler un bagage qui utile qui a transformé la vie mon au jour le jour côté que monde qui gagne avenir qui éduqué qui formé capable retrouver en dedans alors pas dit pas gagne du tout non mais donc les minimes groupe de monde ça yo parce que monde qui soit disant dit connaît yo. Ok, pour ça, il faut que vous identifiez avec style de royaume. Vous avez regardé les différences qui gagnent, les disparités qui des fois gagnent, entre yon qui gagnent et puis 300, 500, 2000 autres qui ne gagnent du tout. À l'image du pays, vous avez dans certains sens. Bon, bagage que nous avons besoin de considérer, et je pense que c'est fondamental pour nous comprendre ça. En nous regardant avec moi, comme il semblait que moi, nous remets Luc, je suis sorti dans Luc 15. Et m'bra kounya a tombé dans Luc chapitre 19. Et la donne nous pral faire une petite lecture et me souhaiter que m'ka seulement susciter ou me soulever une question pour même que demain peut-être vendredi nous pral essayer tenter répondre et pour nous souhaiter que bon Dieu capable faire lumière à travers ça dans la vie personnelle, non individuelle, non. Et on prend rendre compte pas avoir de conséquences en pile dans l'autre problème que tu gagne sous côté, problème qui colère qui on dit t'a dit qui connecte avec ça pour automatiquement joindre solution. En nous lit. C'est dans Luc chapitre 19, nous commencer à partir du verset 11. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit, un homme
de haute naissance, s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent un ambassade auprès de lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi d'autorité royale, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre revint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme dur, sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Et il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donne-la à celui qui a les 10 mines. » Et lui dire, « Mais Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis en vérité, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Frère Maxemoyo, passage ça, li tan kou tout l'autre passage dans la Bible là chargé avec vérité que m'ta remet à tirer attention nous sous li jodi a. Quoi que c'est pas jodi a, parce que m'a batt pour m'entrer dans logique 15 minutes là, mais souffri avec que me dit 2-3 mots seulement sous li, et puis nous pral prendre temps nous pour nous décortiquer et comprendre qui ça bon Dieu veut communiquer avec nous à travers ça. Now verset 13 l'a dit un bagaille. Il dit, il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines. Il leur dit, c'est quoi la mission? Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Le mot faites-les valoir, nous comprenons, c'est valoir, nous ça, ok? Faites-les valoir, c'est en réalité, c'est, c'est faire commerce avec yo jusqu'à ce que moi retourne. En d'autres termes, faire un bagage rendre comme moi profitable. Now Christ dit, alors mot grec qui traduit ça n'a pas l'air là, les littéralement veut dire faire commerce jusqu'à ce que moi retourne. Ou pas trouver ça étonnant que le pas dit à la mission jusqu'à ce que me tourne. Mais il dit, faites-les valoir. Et puis, il y a une partie que je t'ai mis attention sur lui. Il dit, les premiers avaient dit, mais ta mine a gagné 10 mines. Ça le dit encore. Alors, en cas qu'on ne pense pas que c'était l'argent, regardez pour vous dans verset 15. Il dit, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi d'autorité, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent.
L'argent. Donc, Mina parle de l'argent. Donc, il dit, s'il dit auprès de qui, à qui il avait donné l'argent, auquel il avait donné l'argent, mais il dit, faites-les valoir. Son point, il veut dire là. L'argent, il va aller. Et puis, il dit, faites-les valoir. Si ce n'est pas business pour faire avec elle, comment on est capable de faire pour l'argent multiplier? Si ce n'est pas investir ou investir, comment on fait pour le faire multiplier? Et puis, Paul était tellement intéressé dans le profit, ou que ça le dit l'autre là? Il dit l'autre là, ça te dit comme ça que, ça te dit que, voici ta mine, dégagez le nom sur toi le pour voir. Il dit, au moins, ou tu es capable de mettre l'argent dans la banque? Il n'est pas dit mettre l'argent dans la banque, non? Il dit, au moins, parce qu'on est bien que là-bas, rien. Mais elle dit, au moins, on t'a joigné à un petit intérêt 0,000,000%. Donc, tant pour pas joindre rien du tout à un talent ou bien un l'argent qui pas utilisé, il dit au moins on t'a joigné un petit faible pourcentage d'intérêt solé. Donc, on pense quoi d'accord avec aussi spirituel qu'on capable que bon Dieu intéressé dans profit, bon Dieu intéressé dans moi avec au cap ou fait don talent que le monde nous rend yo profitable. Et puis les dion bagay qui intéressé moi et comme nous pral prendre temps oups le arrivé comme nous pral prendre temps pour nous regarder le pas gagne qui pral pousser moi aller plus vite que chaque me supposé aller mais madame attention sur un passage alors même passage là bien entendu qui dit verset 17 là t'as des réponses dit tellement mettre là content pour Jean Neg en Nick.cobla là investir et il fait profit t'as dit ça mettre là mais t'as tellement content t'as dit ah c'est bien bon serviteur ou elle a fait business à succès ou comment mettre là relo bon serviteur tellement bon s'il relo bon serviteur qu'en est-il de celui-là qui chita sur l'oreiller qui va faire rien soit qu'à prier et pas parce qu'on va faire va minimiser la prière n'est pas ça m'a dire non prière a une place li. Mais là fin prier qu'on y a là faut lever qu'on y a va fond bagaille pour maximiser pour multiplier ça que bon Dieu ba comme capacité et puis il dit bon serviteur. Donc ça veut dire que monde qui était cap calé ouais yo yo pas bon serviteur parce que ça dit l'autre là attendez regardez la différence youn dit le premier dit tamina produit 10 000 il dit bon serviteur ça qui te dit que voici ta mine j'aime te baou là ça le dit monsieur il dit il lui dit je te juge par tes paroles, mon méchant serviteur. Vous arrivez là, il y a une différence entre monde qui exploite sa bon Dieu bayo, qui fait au vini bon serviteur, et monde qui pas utilisé ça que bon Dieu bayo, qui pas, ok, il est méchant serviteur. Dame, attention sur ça. Et puis, dame, dans même verset 17 là, côté que dit bon serviteur là, il dit, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Est-ce que nous suspectons qui a signé moyen pour diriger le pays, nous, même quand on n'a pas au pouvoir? Est-ce que nous connaissons qui est-ce qui prend une décision véritable? Quand est-ce que si on n'est pas d'accord avec une décision, même quand on est le président, c'est pour vous même fanfare chanter im présidentiel mais en réalité monde qui a mené pays c'est pas jamais monde qui au pouvoir vous comprenez ça parce que normalement monde qui a mené monde qui a pouvoir économique yo c'est généralement qui a mené bagarre là bible par contre lui remarquez ça dit reçoit le gouvernement de sur 10 villes donc plus pouvoir économique ou élevé plus ou pas le cas influencer, plus ou cas impacter, plus ou cas faire rayonner vérité qui change tout bon, qui se royaume bon Dieu. Donc, moi, avec, ou pas le besoin de faire plus que prier. Moi, pour le besoin de faire plus que venir bon frère, bon sœur, pour nous joindre secret, pour nous taper dans le sous côté que nous avons fait, royaume monde ça, venir royaume bon Dieu et avec Christ. C'est
la prière est importante. Mais ce n'est pas avec la prière que nous faisons ça. Gouvernement sous 10 villes là. Bon, souris un gouvernement sous 10 villes. Vous pensez que les gens sont capables de faire dans la ville, faire ça, vous influencer, puis bon, vous. Donc, moi, avoir besoin de prendre contrôle de la ville, nous, et nous pas prêts seulement par la prière. Nous avons besoin de pouvoir économique. Nous allons regarder ensemble. Qui ça, bon Dieu, voulait nous découvrir dans le bagage ça? Pour nous venir, nous avons influencer beaucoup plus important, beaucoup plus positivement. Royaume, non. Seigneur. Nous connaissons que nous avons quelque chose à comprendre, qui côté nous pour aller. Mais véritablement, si c'est Luc 15 était aussi important, je pense que Luc 19 là est pour aller tout aussi important pour moi avant, pour nous chaque. Rendons compte qui reste la bien par rapport avec manque d'influence. Royaume n'a gain sur société nous. Regardez pays nous Haïti. Regardez qui ça la connaît qu'on là. Ça qu'on écrivé. Pas gain assez monde, pas gain assez bon serviteur qui en contrôle ville. Et c'est ça qui fait n'a vivre ce moment que n'a vivre là. Mais bon Dieu fidèle, nous sommes en retard, mais temps arrivé et révélé pour éclater. Et vous comprenez ça. Pas gain un réveil spirituel tout bon vrai qui pas jamais alors m'a parlé un réveil spirituel véritable toujours succédé par un réveil économique. Cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses. OK? Une révolution économique doit venir reflet ou bien doit succéder, toujours succéder à un réveil, une révolution spirituelle. Et me prier que bon Dieu permette qu'on comprenne ça m'a dit là. Parce qu'on pile vérité pour aller tomber et nous pas comprendre notre crasse plus bien. Papa m'a dit merci pour que nous pas boucher les oreilles nous à ça parce que le commandé pour nous font il faut se propre tête pas nous. Ou du moins tenter entrer dans ces deux zones d'inconfortable qu'on n'est pas inconfortable qu'on nous on ces deux zones d'inconfortabilité côté que nous pas confortable les commander pour nous essayer tenter des choses que nous pas trop envie tenter qu'on y a là ou bien que nous t'es peur fait pour n'importe raison que nous t'es capable tête non mais même faire la grandir dans l'amour dans pardon dans compassion dans l'amour et etc peut-être n'a pas un plus bon moyen pour nous vivre un plus bon papa. Là, nous parlons grand goût pour nous dépendre sur soit petit frère, ou bien grand frère, ou bien mauvais gens, parce que bagaille est dit pour nous. Gagnons donc ta pi bon frère longtemps déjà. Si nous parlons de niveau misère que nous y connaissons. C'est prière pour que, en volontant, non seulement nous comprendre, mais nous venons découvrir grâce qu'on voulait moi avoir nous, je suis tout bon. Regarde, c'est pour volonté, en fait. C'est pour vraiment venir tout bon, oui. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis-nous. Il semble que je n'ai pas arrêté dans 15 ans, mais je suis fidèle. Bon Dieu fidèle. Je ne suis pas arrivé dans 25 fois ça. Au moins, je suis fini en volonté. Bon Dieu fidèle. Je suis fidèle. Je suis là. Bon Dieu bénis-nous.